Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis ni coiffée, ni le visage lavé, ni rien. C'est le matin. Je viens de me prendre ma douche. Et on va essayer ensemble un produit que Cham de Melo Ayurveda m'a gentiment fait parvenir. Il m'avait contacté la dernière fois pour savoir si j'étais intéressée pour utiliser un de leurs shampoings solides. Shampoings solides que j'ai reçus ici. Voilà, je l'ai déjà essayé une fois. Je ne vous dis pas ce que j'en pense parce qu'on fera un petit lavage de tête en direct. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller, ça va être une catastrophe. Mais bon, je vais essayer de vous montrer au moins comment il réagit sur les cheveux et une fois mouillé. Et puis, le cheveu sec après que vous ayez une idée de la texture parce que c'est quand même important aussi. Ils m'ont donc gentiment envoyé ce petit shampoing solide. Moi qui suis un petit peu fâchée avec le shampoing solide parce qu'il ne m'allait pas du tout, il ne me convenait pas du tout. Donc j'étais un petit peu sceptique au début, puis après je me suis dit ce sont des formules ayurvédiques, j'aime les formules ayurvédiques. Pourquoi pas? Je me suis laissée tenter. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Que c'est un produit vegan. Hein, qu'il est clean, bien sûr, ben, éco-responsable. Hein, voilà, un petit shampoing sous forme de pain. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, mais il a déjà été utilisé. Voilà. Il a été utilisé une fois. Je trouve que ce sont des parfums qui sont très agréables. Ils sont doux au toucher, déjà, les petits pains, là, c'est déjà agréable. On essaiera donc ça. Ce matin, on va essayer le nettoyant que je n'avais pas demandé, qui ne m'avait pas proposé de m'envoyer, mais j'avais suggéré que je serais bien tentée de le commander sur le site. Et puis ils ont été gentils, ils me l'ont envoyé. Ils sont adorables, franchement, ils sont adorables. Ils ont une communication, ou du moins, Cham, la personne avec qui j'ai discuté, est une personne très respectueuse, très, très agréable et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec la personne. Voilà. Ça, c'est important, je trouve, de tomber sur des personnes qui sont respectueuses. Voilà. Pas uniquement des personnes, je t'envoie un produit, tu dis que c'est bien ou pas. Ah non, pas du tout. Je vais vous dire si ça me plaît ou pas. C'est la première fois que je vais l'essayer avec vous. Le shampoing. Ben, vous verrez. Et puis ça, eh ben, on va voir en même temps. On va voir ensemble. On va voir ensemble. Donc, c'est parti. Ça, c'est un nettoyant visage solide, donc, aux extraits naturels de plantes ayurvédiques. Ne te presse pas, Christiane. Oui, ben, excusez-moi, j'ai ma maman à l'hôpital et je suis un peu perturbée en ce moment. Formulé pour les peaux sensibles. Formulé pour les peaux sensibles. Bien sûr, c'est vegan. Hein, c'est vegan. Alors, puis alors, ce que j'aime bien, c'est les petits. Regardez les petits dessins là. Mais c'est trop ça. Vous savez, c'est les petits dessins que je fais le soir pour me. Dans ma petite. On va dire mes petites méditations. Voilà. Moi, c'est ma façon de méditer, ça. Je dessine. Je fais des petits trucs. Je laisse aller le stylo. Et je trouve ça génial. Vous devriez essayer, sans rire, vous devriez essayer. Ensuite, alors on va découvrir. Alors lui est carré. Lui est carré comme ça. Ah ben honnêtement, il sent un peu comme sent l'autre. J'ai l'impression de sentir la même chose. Donc, écoutez, voilà, on va essayer ça. Alors, on va mettre. Le petit bandeau. Mon vieux machin qui ressemble plus à rien. Mais c'est pas grave, il est efficace, il a encore l'élastique. Il revient plus, le pauvre. Il revient plus, il a plus de couleurs. Il est marron, il a toutes les couleurs de la terre sauf du bleu. Donc on va essayer ça. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre comme ça. Alors on va se mouiller le visage.
Alors, il dit tout simplement de se mouiller le visage, de se mouiller les mains, de frotter le pain dans les mains et de se le passer sur le visage. Alors, moi, ce que je fais pour vraiment tester un produit, je le mets sur tout le visage. Je fais pas, je vais pas me, éviter de me mouiller là, je me lave le visage. C'est tout. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, il mousse. C'est une mousse extra fine, extra douce. Cette mousse est une tuerie. C'est d'une douceur. Bon, après, vous me direz, c'est une formulation pour les peaux sensibles. Alors là, franchement, j'en ai sur les paupières, les filles. J'en ai sur les paupières. Je sens rien du tout. Et vous le voyez, je vous dis pas de bêtises. Ah, je suis ravie. Pour le moment, là, franchement, la première impression est top. Hein. Parce que vous savez, suivant le pain nettoyant que vous avez, vous ne pouvez pas vous permettre de le poser, d'aller aussi près des yeux. C'est pas possible. Vous avez les yeux qui piquent, ça. Ah non, non. Allez. Je prends ma petite serviette parce que je vais quand même me passer le visage sous l'eau. Je vais m'y mettre. Je vais aller me noyer 2 secondes, puis je reviens. Alors, que dire? La mousse se rince impeccablement bien. Et vous n'avez pas du tout, vous savez, la peau qui crisse. Pas du tout. On sent que vous avez une comme une espèce de pellicule de douceur qui reste sur le visage. Honnêtement, les filles qui avaient les peaux sensibles, je pense que c'est un pain. Je pense que c'est un pain. Oh là là, si on ne peut plus rigoler. Je pense que c'est un nettoyant que vous pourriez utiliser. Après, je ne sais pas si vous connaissez la marque ou pas. Ils ont été. Alors, je leur ai demandé un code pour vous. Hein. Je vais vous le mettre là. Et bien sûr, en barre d'informations, je vous mettrai le site et le code en barre d'informations également pour rappel. Mais honnêtement, c'est tout doux. C'est tout doux. J'ai pas la peau qui tire. Vraiment, j'ai pas la peau qui tire. C'est un petit pain qui mousse très bien, mais qui laisse. Alors, certains disent qu'au plus ça mousse, au plus c'est agressif. Alors là, franchement, c'est pas vrai. C'est un très très bon pain. Ah, regardez-moi. Petite mousse toute douce là. Moi, je me suis régalée. Et puis d'ailleurs, vous l'avez vu, j'avais même de la mousse au-dessus de la paupière et je n'ai pas eu les yeux qui piquaient. Alors, moi, que vous dire, à part du positif, je ne peux pas vous dire, c'est bon, on m'a envoyé un produit, je vais vous dire du positif. Non, vous l'avez vu. Vous avez vu avec moi la mousse douce qu'il y a. Vous voyez que le visage est net et la peau reste souple. C'est doux. Il se rince bien. Et puis surtout, il ne me pique pas. Et j'aime bien la sensation de douceur qui reste sur le visage. Après, pendant le rinçage et après le rinçage.
Moi, écoutez, j'ai pas de mauvaises mauvaise choses à dire sur ce produit. Alors, si vous êtes intéressé, bien sûr, n'oubliez pas, ils ont eu la gentillesse de vous proposer quand même un code avec moins 20%. Hein. Je vous dis encore une fois, je vous le mettrai en barre d'infos. S'il faut, je le répéterai encore une fois ici. Mais ce ne sont pas des produits hors de prix, honnêtement. Franchement, ce sont des produits abordables. Pas plus chers que d'autres marques de shampoing et de produits solides. Si vous voulez, allez les essayer. Déjà, ça, je peux vous dire que... ça, moi... Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui en ont reçu comme moi. Mais honnêtement, j'aimerais connaître leur retour parce que j'ai été séduite d'entrée par le produit. Voilà, alors non seulement c'est écolo, mais en plus c'est bien formulé, puis en plus c'est efficace. Écoutez, il y a quoi à rajouter de plus? Moi je suis ravie, je remercie Cham encore une fois de m'avoir proposé de recevoir ces produits. Surtout que celui-ci n'était pas prévu et oh, la découverte. Ah, franchement, je suis ravie. Ça tire pas, hein. Ça tire pas. Moi, je suis contente. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Il n'y a pas des tonnes de produits, mais ce sont des produits qui sont bien composés. Pour ceux qui sont attentifs à ça, je trouve que c'est un bon site. Nous, on a pris avec Chérie le shampoing anti-pelliculaire. C'est pour ça que j'attends une paire de fois au moins de les essayer 2-3 fois. Chérie l'a essayé une fois. Moi, je l'ai essayé une fois. La prochaine fois, on se lave les cheveux ensemble. Comme ça, je vous en dirai plus. Et comme ça, je comparerai par rapport à la première fois que je l'ai essayé. Et puis écoutez, il y a pour tout, il y a pour l'hygiène intime, je crois, il y a pour les cheveux gras, il y a pour les cheveux secs, enfin, vous avez un petit peu de tout. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller voir, parce que ça vaut le coup, ce sont de bons produits. Je vous embrasse bien fort, écoutez, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.